Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente un plat typique du Moyen-Orient qui s'appelle kabsé. C'est du riz avec qu'on fait cuire avec la viande, très délicieux. Alors, on commence par mariner la viande avec les épices que vous voyez sur l'écran. Je vais vous mettre la recette au complet dans la description en bas de la vidéo. Alors, on va mettre les épices avec un peu d'huile végétale. Et on va mélanger tout. On ajoute la viande. Et on s'assure de bien mélanger. Maintenant, on va mettre la viande de côté pendant qu'on commence à préparer le riz. Alors, dans une marmite ou un... Dans une cocotte minute, vous pouvez utiliser une cocotte minute pour économiser du temps. Alors, je mets de l'huile végétale, je fais sauter des oignons avec du céleri et un peu de sel. Et je rajoute des épices entières, comme vous voyez. Alors, j'ai de la cannelle, j'ai des clous de girofle, du cardamome, des limes sèches. Que vous pouvez trouver dans des épiceries du Moyen-Orient. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous en passer. Et maintenant, je vais rajouter la viande. Et je fais cuire sur les deux côtés. Je rajoute des tomates écrasées. Vous pouvez aussi utiliser des tomates en canne. Et je rajoute de l'eau et on laisse cuire la viande avant de rajouter le riz. On va laisser cuire pour environ 40 minutes. Si vous faites cuire dans une casserole normale, sinon si vous utilisez une cocotte minute, ça devrait prendre environ 10 à 15 minutes. Maintenant, je rajoute du riz. J'utilise du riz basmati et vous pouvez utiliser n'importe quel riz que vous avez. On cuit le riz jusqu'à ce qu'il absorbe tout le liquide et on sert avec les noix de votre choix. J'ai utilisé des amandes. J'espère que vous essayerez cette recette. Vous m'en donnerez des nouvelles. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous inscrire et de partager cette vidéo. À la prochaine.